Tout autre chose. À présent, une matinée de réflexion était organisée ce lundi à Chanik, dans la commune de Ngalima, par le gouverneur de la province orientale, Jean Bamanissa, et donc autour du thème « Bâtir un partenariat dynamique de développement durable en province orientale », un forum basé sur un programme de développement. Alain Bouma. Après son bilan de 100 jours à la tête de la province orientale, Jean Bamanissa Saïdi a ouvert ce lundi le forum économique autour du thème « Bâtir un partenariat dynamique de développement durable en province orientale ». Le forum se base sur un programme de développement reparti en quatre piliers : la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État, les diversités économiques à l'accélération de la croissance, le commerce et l'emploi, l'accès aux services sociaux de base et à l'environnement et le changement climatique. Nous avons voulu que certains points, certains détails puissent être et certaines orientations puissent être explicitées aux différents bailleurs de fonds pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons avoir ces programmes insérés dans les interventions diverses que font les différents bailleurs de fonds impliqués en République démocratique du Congo et plus spécialement ceux qui sont impliqués en province orientale. Le gouvernement provincial s'engage ainsi dans une planification stratégique dans les cadres d'une vision de développement offrant des nouvelles perspectives et traçant une nouvelle voie répondant aux défis majeurs de la province. Notre plus grand souhait, c'est de voir que votre intérêt puisse grandir, que notre programme que nous sommes en train d'implémenter, conformément au programme national qui est conduit par le chef du gouvernement et sous la vision du chef de l'État, soit le plus véritablement mis en œuvre au niveau de la province orientale. Le gouverneur Bamanissa s'est dit déterminé à relever bien des défis, notamment la mobilisation de recettes locales, l'amélioration de la représentation des services, la transparence et la bonne gouvernance. Si vous ramenez ces chiffres-là par tête d'habitant,